monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est midi et demi, je rentre des courses. Voilà, c'est Tigrou qui m'accueille gentiment. Oh, il est lourd. Je pense qu'il dormait et qu'il a la tête dans le... Oh, dans le derrière. Voilà, je reviens des courses. J'ai été faire un tour chez Action et chez Lidl. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, parce que j'ai pas trouvé grand chose, donc ça sert à rien que je fasse un haul. Autant que je vous montre en vlog, ce sera mieux. Je vais vous poser, ça sera mieux ça aussi. Alors, chez Lidl, j'ai pris ça pour ce midi. Je mange toute seule, je me suis dit, je vais me faire un truc simple, tranquille ou bilou. Oui, mon dido. Oui, je t'aime. Oh là 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 là, je l'aime ce chien, je l'aime. Oh là là. J'ai pris de la lessive parce que j'en avais presque plus, elle est très bien. J'ai pris du pain comme ça, pain sportif, vous savez que je l'adore. J'ai pris du pain aux graines que j'ai tranché. J'ai pris des œufs bio, voilà, il n'y avait presque plus rien. Tu veux sortir, ma loulou? Hop, je crois que c'est tout ce que j'ai pris chez Lidl. Ouais, c'est tout ce que j'ai pris chez Lidl. Je vais vous tourner un petit peu. Ensuite, chez Action, je me suis pris une carafe parce que mon mari a installé... D'ailleurs, il faut que je vous refasse le tour de la maison parce que pendant les vacances, il a fait plein de choses. Donc, il faut que je vous montre ça. Mon mari a mis un robinet avec une partie filtrante. Donc du coup on n'a plus besoin de carafe filtrante parce que c'est automatique. Et du coup j'ai pris une carafe un peu plus grande que celle qu'on a. Hop. Ensuite j'ai repris des petites perles comme ça parce que je ne trouve plus. Attendez, il faut que je ferme parce que le chien rentre, mais je veux pas que le chat sorte. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Je ne trouve plus l'adoucissant parfumé de chez Action. Donc du coup je prends ça, c'est pas l'adoucissant, ça parfume, mais c'est déjà ça. Je me suis pris un petit agenda pour glisser dans mon sac parce que je n'ai pas de tête. Et du coup, c'est bien pour noter. J'ai pris ça pour Isalis pour tester parce qu'elle a un câble pour son iPhone qui fonctionne bien. Parce qu'en ce moment son iPhone ne charge pas. Alors je sais pas si parce que il faut des câbles officiels, etc., etc. Mais en tout cas, elle a un câble qui fonctionne bien, mais qui n'est que côté iPhone et USB-C. Donc il fallait un chargeur spécial, on va dire. Ensuite, j'ai pris ça pour lire. J'ai pris des eaux pour Naya. Voilà, deux paquets. Comme ça, je me suis dit, Eddie n'aura pas besoin d'aller faire les courses pendant que je suis alitée. J'ai pris un nouveau câble iPhone pour Isalis au cas où, parce que voilà, ça ne tient pas la route. Et j'ai pris ça. Et ensuite, j'ai pris des bols. Comme ça, je les adore. Alors, j'en avais que 5, je crois. Et c'est vrai que pour l'apéro, j'aime bien les mettre pour mettre des chips. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris ça pour mettre les sauces. Qu'est-ce qu'il y a, ma Juju? Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé. Vous voyez, il n'y avait pas de quoi faire un haul particulier. Je vais tout ranger. Je vais manger. Je vais faire du montage. Alors, j'avais commencé le montage d'une vidéo pour ce soir. Mais honnêtement... Je l'ai trouvé tellement pourri que je la publierai jamais, je pense. C'était une dégustation en famille avec moi, Eddie et Milan. Et franchement, elle est naze. C'est pas drôle, c'est mou. Enfin bon, je suis peut-être trop exigeante, mais alors je la trouve naze. Donc je pense que je la publierai pas. Ou à moins vraiment que j'ai plus rien à mettre sous la main. Mais là, pour le coup, non. Donc voilà, je range tout ça et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Bon, on est mercredi, il est presque 14h30, on va avec Isalis chez Leclerc. Pourquoi? Parce qu'il y a les promos beauté et qu'on a des courses à faire, parce que j'aimerais bien faire des courses pour la semaine prochaine en fait, pour pas que Eddie ait besoin de trop s'occuper des courses. Donc on va faire des courses chez Leclerc et notamment pour les promos beauté, parce que la dernière fois on avait fait le plein et on avait trouvé plein de choses. Et là on va peut-être essayer de trouver du mascara ou des choses comme ça. Donc, direction Leclerc et ensuite Isalis voulait aller chez Jennifer pour faire un tour. Oui, peut-être. Peut-être. Ou la halle, je sais pas. On va voir. Et sinon, il y avait un autre truc, non? Il n'y avait pas un autre truc à faire? Ah si, attends, est-ce que j'ai pris? Ou j'irai... je sais pas si j'ai pris. Non, j'ai pas pris mon ordonnance, donc j'irai demain. Sinon, bah écoutez, rien de spécial. J'ai été chercher Isalis au lycée ce matin. Milan est rentrée avec Eddie. Et puis, rien de bien transcendant. On a reçu deux commandes Shein là. Une dont qu'on va pas tourner et l'autre, je pense pas. On fera un haul. On va faire un haul, toi? Je sais pas si y aura assez. En tout cas, j'ai reçu du maquillage Shein parce que je voulais vous faire une vidéo pour tester les nouveautés Shiglam. Donc, ça, c'est sûr qu'il y aura une vidéo. J'espère
pouvoir la tourner demain. Ça serait cool, comme ça j'aurais une vidéo d'avance. Ce serait bien que j'ai une deuxième vidéo d'avance, mais bon, je vais voir ce que je vais tourner. Peut-être les promos beauté Leclerc d'ailleurs, si on a assez de choses. Hein, on va voir. Et puis voilà, bon écoutez, on se retrouve. Ah la vache, il y a des trous dans la route. On se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. On vous fait des bisous. Bon, re tout le monde, du coup on est revenu de chez Leclerc, il est 5h. J'ai reçu un petit coup de fil de la clinique pour me dire que c'était confirmé, que je devais être au bureau des admissions à 10h avec mes analyses, pièces d'identité, mes affaires personnelles, voilà, donc normalement tout est bon, il faudra que je prépare un petit sac. Ensuite, chez Leclerc, franchement, pas ouf au niveau de des promos beauté. Attendez, j'ai pas bien fermé la porte ici. Il n'y avait pas grand chose. Alors, je sais que c'est vrai que au mois de septembre, il y a moins qu'au mois de mai. Donc, je fais plus le plein quand c'est les grosses promos beauté Leclerc. Donc là, j'ai quand même acheté 2-3 choses. J'ai repris des lames de rasoir comme ça. Je fais toujours le plein parce que c'est beaucoup moins cher. J'ai pris ça, j'avais envie de tester. Attendez, hop. Donc ça, c'est un sérum éclat anti-tache de Garnier. Apparemment, il est bien... Enfin, je le vois partout sur les réseaux sociaux, donc il doit être bien. J'ai pris des patchs pour le nez. Des déodorants pour Eddy. Voilà, L'Oréal. J'ai pris des gels douche comme ça, Sobioéthique au lait d'anès pour Milan. Isalis s'est pris aussi des gels douche, je crois que c'est le petit Marseillais ou quelque chose comme ça. J'ai pris ça parce que je voulais tester. Alors, je vous avais parlé de mon favori contour des yeux de la même gamme à l'acide hyaluronique. Mais là, c'est une crème anti-âge à l'acide hyaluronique et avec un SPF 50. Je cherchais avec un SPF, donc ça tombe très très bien. Écoutez, on verra, ça hydratera. Et ensuite, j'ai repris ça. Ben, vous savez, hein, je suis fan de ce baume pour le corps que je trouve absolument génial. Et pour Isalie, ça c'était pas en promo, mais on lui a repris un anti-cerne, donc Maybelline, parce qu'elle aime beaucoup celui-là. Et voilà. Alors, vous voyez, comme quoi, pas grand-chose. Ensuite, j'ai fait des courses parce que... Enfin, je vais pas tout vous montrer. J'ai fait des courses, je me suis acheté des soupes parce que, en fait, quand je vais rentrer de l'hôpital, il faut pas que je mange des trucs, faut que je mange que des légumes crus et des trucs qui fermentent pas. Enfin, bon, parce que je fais ça par coloscopie, je sais plus comment on appelle ça, bref, célioscopie. Bref, vous aurez compris, c'est avec des trous dans le ventre et on met du gaz dans le ventre, donc il faut pas des aliments qui fermentent. Donc, du coup, je me suis pris des bouteilles de soupe et puis je me ferai de la soupe et puis les enfants mangeront ce que j'ai acheté. J'ai acheté des cordons bleus, j'ai acheté des pizzas, j'ai acheté des haricots verts, des choses comme ça pour pas qu'Eddy ait besoin de faire trop à manger. J'ai suspendu HelloFresh parce que je voulais pas qu'il se prenne la tête à faire à manger. Et puis voilà, j'ai pris des crêpes pour me goûter, j'ai pris de la confiture, j'ai pris des desserts. Qu'est-ce que j'ai pris autrement, je sais plus. J'en ai eu quand même pour 222 €, mais je pense que les lames de rasoir ça joue beaucoup parce que je crois qu'elles étaient à 30 €, mais il y avait 12 lames dedans, donc c'était assez intéressant. D'ailleurs, j'ai pas le ticket de caisse maintenant, il le donne plus. Sinon, écoutez, quoi vous dire, il fait beau, il fait chaud, d'ailleurs on voit que je suis un peu illuminée. Je vais aller faire le montage, enfin peaufiner le montage de ma vidéo de vendredi. Et demain, j'aimerais bien tourner 2 vidéos pour en avoir d'avance, pour pouvoir vous en publier une donc mardi quand je serai à l'hôpital, comme ça j'en aurai une d'avance. Et au pire, je prendrai mon PC avec moi et je ferai du montage là-bas, je sais pas, je vais voir, pour la vidéo du vendredi. Voilà, je sais pas comment je vais faire, on verra bien. En tout cas, voilà pour aujourd'hui, enfin voilà pour le moment, je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je vais ranger tout ça, puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Re tout le monde, on est vendredi, non, jeudi. Je sais plus quelle journée. On est jeudi. Il est 14h10 et là je viens d'aller à la boîte aux lettres chercher du courrier. Ce chat est un pot de colle intersidéral. Je n'ai jamais vu ça. Il va venir, c'est obligé. Il passe son temps sur mes genoux, c'est un truc de malade. Moi qui voulais un chat câlin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir? C'est un amour du chat. C'est un amour du chat. Bah ouais. Oh là là. Et il y en a une qui est jalouse par contre. Enfin jalouse, elle va pas aller le mordre ou quoi que ce soit, mais elle demande des câlins quand il me donne des câlins. Bref, j'ai reçu une commande que j'ai faite sur Beauty Bay. Bon, pas du tout partenariat. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai commandé. J'ai fait le plein de lotion The Ordinary. Après j'arrête de faire du bruit ou pas.
Ça, la lotion à l'acide glycolique, bon, ben voilà, je peux pas m'en passer. C'est la lotion que j'utilise tous les soirs, pas le matin, parce que ça peut avoir tendance à fragiliser un petit peu la barrière cutanée et à faire plus un effet inverse qu'autre chose. Donc uniquement le soir et pas sur les yeux, c'est lotion visage. Ensuite, j'ai repris la base de chez ELF, franchement, très très bien. C'est un dupe de la Milk et elle est super. Et du coup, j'ai voulu tester aussi la brume de fixation toute la nuit, pareil, ELF, voilà. C'est une brume micro-fine apparemment et qui permet une tenue jusqu'à 16 heures. Hop! Ensuite, j'ai eu un cadeau, a priori, un baume teint. Ah non, je l'avais commandé. Ah non, je crois que c'était en cadeau. Oui, j'ai choisi en cadeau. Je l'ai choisi parce que j'avais des points, donc j'ai pris ça. C'est un baume un peu teinté de la marque Beauty Bay. Ensuite, j'ai pris un autre spray matifiant pour le maquillage de chez ELF. Et j'ai pris ça qui avait l'air d'être des dupes de Charlotte Tilbury, donc c'est-à-dire un blush comme ça en tube. Voilà, il ronronne. T'aimes bien le maquillage, mon loulou? Et hop, un contour. Alors c'est des petits tubes quand même, hein. C'est pas hyper grand. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas très très grand. Donc j'essaierai, puis je vous en dirai des nouvelles, bien évidemment. Que vous dire autrement, je suis en plein montage. J'ai tourné deux vidéos ce matin. Une vidéo make-up avec ce résultat-là. Et une vidéo haul Temu. Donc, bon, écoutez, hein, on verra bien. Faudra que je monte. Je pense que je montrerai d'abord la vidéo. Aïe, tu me piques ! Je montrerai d'abord la vidéo Temu et ensuite le maquillage. Je vous en dis pas plus parce que sur Instagram, là, vous êtes comme des dingues. Vous avez adoré le résultat. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Hyper bien. Là, je viens de passer une commande sur Maki Beauty parce qu'il y avait des promotions sur les produits NYX, Maybelline, L'Oréal, Essie, je sais plus lequel. Du coup, j'ai repassé des commandes de rouge à lèvres Vinyl Ink parce qu'ils étaient en promotion. Et... Mais tu fais tes griffes! Mes chaises, trou du cul! Voilà, donc j'en ai profité, j'ai acheté des Vinyl Ink et j'ai aussi acheté deux gloss pour Isalis, je crois, quelque chose comme ça, et un autre truc, je sais plus quoi. Bref, j'ai acheté deux trois petites choses. J'en ai profité parce que j'adore les Vinyl Ink et je voulais tester des nouvelles teintes, et j'ai repris le Host Track aussi parce que je l'adore, voilà, tout simplement. Donc, sur ce, je vais retourner à mon montage. Tu me piques les fesses ? C'est grouille, il me pique les fesses. Je retourne à mon montage et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Tout le monde, on est vendredi. Je sors de chez Action. J'ai craqué mon slide, 120 €. Donc comme ça, je vais pouvoir vous filmer un petit haul Action et vous le publier quand je serai alitée. Parce que voilà, ça m'évitera de tourner des vidéos. J'en ai tourné en avance. Ça, c'est plutôt cool.
Là, je vais à la maison déposer les affaires, me changer vite fait, et ensuite je vais aller marcher un petit peu avec ma copine Luce, ça va me faire du bien. Vous avez été nombreux sur Instagram à me dire d'aller marcher, prendre l'air, etc. pour me changer les idées. C'est une bonne idée, donc c'est ce que je vais faire. J'ai été juste avant Action à la pharmacie pour commander, parce qu'ils les avaient pas, des bas de contention. J'ai l'impression d'avoir 70 ans, 80 ans, mais bon, c'est vrai que les bas de contention, ça va être utile pour tout ce qui est prévention des phlébites. Et d'ailleurs, j'ai une infirmière qui passera tous les jours pour vérifier tout ça. Donc voilà, hop. Que vous dire autrement, hier, qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qu'il y a eu hier? Pas grand chose, je ne crois pas. J'ai été avec Isalie chez le dentiste hier soir parce qu'il y avait une de ses bagues qui avait sauté. Elle en a marre de son appareil dentaire, donc j'espère que, normalement c'est jusqu'à avril, j'espère que ce sera bon, parce que après moi je dis stop, hein, ça suffit. En plus elle n'a pas les dents mal rangées, c'est vraiment pour des détails. J'ai plus envie de lui prendre la tête avec ça. En avril, on enlève tout et puis basta. Sinon, bah écoutez, c'est à peu près tout. De toute façon, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vous reprendrai un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog, pour vous raconter un petit peu ce qu'on fait ce week-end, sachant que apparemment mon mari voudrait me changer les idées. Voilà, donc je sais pas ce qu'on va faire. Faut que j'aille aussi acheter des chaussures de sport pour les enfants à Intersport demain matin. Ah bah non, je vous dis n'importe quoi. Demain matin on a coiffeur avec Isalis, donc on va voir Déborah. Je pense que je vais continuer à faire à peu près la même couleur parce que j'aime bien, je me suis habituée. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus brillants que quand ils sont trop clairs, donc je pense que je vais rester sur cette teinte là. Et Isalis, je vais demander à Débo de lui faire un gloss, parce qu'elle trouve que ses cheveux sont trop ternes. Et oui, effectivement, quand on fait une déco, une patine, ben voilà, ça ternit un peu le cheveu, malheureusement. Donc je vais voir avec Déborah si elle peut pas lui faire ça. Et puis bah écoutez, c'est à peu près tout. De toute façon, je pense qu'on vous embarquera avec nous, que ce soit avec ils ont fait le marquage sur le rond-point. C'est un massacre, les gars, ils ont fait n'importe quoi. Bref, on vous embarquera avec nous avec la GoPro et je la mettrai à charger cet après-midi d'ailleurs. Et le téléphone, enfin bon, je n'emmènerai peut-être pas mon appareil photo, mais pour que vous voyez un petit peu l'évolution. Et puis voilà, j'espère que ça ne durera pas trop longtemps par contre, parce que j'aimerais bien faire du montage au taquet pour pouvoir avoir de l'avance et pas avoir ça à faire quand je serai allongée. Voilà, pour que je me repose un maximum et que je ne sois pas en train de stresser. La seule chose que je vais faire, je pense, que sont les vlogs les deux premières semaines. Mais autrement, ce seront des vidéos tournées en avance. Donc pour ceux qui verront les vlogs, vous saurez que ce n'est pas des vidéos que j'ai tournées quand j'étais pas bien. Enfin, j'espère que ça va bien se passer. Mais vous voyez ce que je veux dire, quand je serai en repos. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous m'entendez bien, parce que la dernière fois, j'ai été obligée de faire des modification de son de malade. Je vais vous laisser et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Bon, re tout le monde, ça y est, j'ai été marcher avec Luce, j'ai mangé, j'ai été à côté de chez moi dans un locker pour pouvoir choper un dernier colis pour faire une vidéo sur les colis que mes abonnés m'envoient, sauf que le code n'était pas bon, j'ai jamais réussi à choper mon colis, j'ai essayé de les appeler, impossible de les avoir. Bref, je suis revenue à la maison et là j'ai tourné une vidéo Action. Je suis avec ma petite Suzette, voilà, qui a élu domicile dans le studio parce qu'elle ne veut plus dormir à la maison depuis qu'il y a Tigrou. Malheureusement, elle reprend ses marques tout doucement, mais mère, voilà, faut pas la brusquer, elle fait sa petite vie, faut pas l'embêter, voilà. Donc j'ai tourné ma vidéo, là ce que je vais faire, c'est que je vais ranger et ensuite je vais faire du montage pour essayer d'avoir un maximum d'avance pour la semaine prochaine et la semaine d'après. En tout cas, là, moi j'aurais aimé tourner ma vidéo aussi colis d'abonnés, parce que ça m'aurait fait 4 vidéos d'avance et là j'étais bon pour être tranquille pendant 2 semaines, j'avais juste les vlogs à faire et c'était bon. Donc j'espère que demain ce sera ok. Je suis en train de me faire bouffer par un moustique. Voilà, un de moins. Hop, et voilà, c'est à peu près tout. On a quand même bien marché ce matin avec ma copine. On a fait 1h15, je crois, de marche. Ça nous a fait du bien. Ça m'a changé les idées. Et puis en plus, Luce, comme elle est aide-soignante et passionnée par son métier, elle m'a rassurée par rapport à mon opération. Donc ça m'a fait du bien, j'avoue. Et voilà. Donc là, je range.
Et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Des bisous. Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que t'as pris comme shampoing? Je sais pas, mais j'ai vu un truc avec des étoiles et tout dessus. Je me suis dit, ça va être le meilleur. Ça doit être le best of the best. Moi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est pas un truc spécial pour les blonds. Mais non. Les mèches blondes, je sais pas quoi. Enfin, pourquoi tu filmes? Pour le vlog, mon loup. Bon, on est samedi. Et là, on part chercher des chaussures de sport pour tout le monde. Ouais. Parce que il y avait plus de chaussures de sport pour personne. C'est ça, les pieds qui grandissent. Et moi, c'est parce que bah, j'avais besoin de bonnes chaussures pour marcher, quoique je vais pas marcher pendant un petit moment. Mais écoutez, on va voir, on va faire une pierre deux coups. Et voilà. Donc, on va aller à Intersport, je pense. Après, on ira à Burger King, puis après, on rentre. N'est-ce pas, chauffeur? C'est ça. C'est mon parcours. C'est ça, c'est le bon parcours. Vous faites le parcours. C'est le parcours total. Donc, voilà. Bon, écoutez, on vous montrera en rentrant. On a trouvé chez Intersport. Bon, retour monde, on est dimanche. Du coup, hier, on vous avait pas montré les chaussures, mais on a trouvé des chaussures. Bon plan chez Intersport. Une paire achetée, une paire offerte. Autant vous dire qu'on en a profité. On a pris deux paires à 85 euros, dont les enfants étaient très contents. Ensuite, on a pris Burger King et puis c'est tout. Par contre, j'ai oublié de vous dire, on devait aller chez la coiffeuse avec Isalis samedi et en fait, elle s'est loupée le rendez-vous. Elle l'avait noté pour la semaine d'après. Donc du coup, pas de coiffeuse. Bon, en même temps, c'est vrai que j'aurais eu un peu les boules d'avoir une super coiffure et d'avoir à faire la douche à la bétadine parce que avant l'opération, on est obligé de faire une douche à la bétadine. J'aurais eu un petit peu les boules peut-être. Donc de toute façon, c'est pas grave. Ce sera pour plus tard. Comme disait Eddy, hein. en fait, finalement, je reste allongée pendant voilà, je sais pas combien de temps. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des cheveux au top. Comme j'ai pré-filmé mes vidéos en plus. Voilà. Sinon, que vous dire? Là, on va se promener. On va se balader. Alors, je sais pas trop. Là-bas. Voilà. Vers la mer. On va se changer les idées, prendre un peu l'air. Et puis ensuite, on rentrera. J'ai fait du montage. Parce que j'aimerais bien avoir des vidéos d'avance. Et puis, bah, c'est à peu près tout. En espérant qu'il fasse un peu beau cet après-midi pour qu'on puisse se poser un peu au bord de la piscine, ça serait cool. Il fait beau? Entre 27-28, c'est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Et du coup, je préparerai aussi mes affaires pour demain. Et voilà, c'est tout. On vous filmera un petit peu notre balade. Et puis, je pense que je monterai ce vlog ce soir pour vous poster demain soir. Pas comme d'habitude, c'est pas les mêmes. J'arrête pas le lundi parce que je pourrais pas vous filmer de toute façon demain. Et je sais pas trop comment je vais faire pour les vlogs après. Enfin, du moins quand je serai à l'hôpital. Je pense que je vloguerai quand je serai rentrée à la maison ou quand on sera dans la voiture demain. Enfin, je sais pas trop, on verra bien. Mais voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Les deux. J'ai filmé d'abord. Faut que je saute. Non. Là, il commence à faire beau. C'est un courageux quand même. On est rentré, on a mangé, enfin on a grignoté. Parce que honnêtement, on a voulu faire un petit apéro pour se détendre, enfin apéro sans alcool, pour se détendre. Et finalement, on n'avait plus faim après. Attendez, j'enlève mes lunettes. Et là, il fait très sombre. Pourquoi? Parce que c'est orageux. Il pleut des cordes. Donc je pense que cet après-midi, ça va être après-midi montage, après-midi bagage.
Et puis, écoutez, on verra bien pour le reste, mais c'est très sombre. Bon, ça arrose les citronniers, ça m'évite d'arroser mes citronniers, donc très bien. Et puis, écoutez, voilà. Sinon, pas grand-chose d'autre. Je pense que je vais monter ce vlog. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, pour bah, vous dire comment ça s'est passé, etc., etc. Et puis, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.